précédemment dans Point de rupture. Aiden, comment vous sentez-vous à l'approche de votre première course dans la catégorie reine? Je me sens comme un gosse. Je me retourne et je suis entouré de tous mes héros. Question à propos de Casper Ackerman. Est-ce que vous vous entendez bien? C'était pas ma faute! Et c'est la faute de qui? Il a essayé de les empêcher de te prendre. Il voulait pas te babysitter. On est tous mal pour toi, mec. Il te laissera pas ta chance. J'ai reçu un message de Christian Armour ce matin. On te surveille. Tu sais ce que c'est son problème, non? Il pense que t'es trop vieux. Il veut du respect. Tu fais preuve de respect, ça marche comme ça. Et toi, si tu me respectais un peu... Commence déjà par le mériter. Je me casse. De quoi? Je prends ma retraite. Pourquoi ça n'a pas marché entre vous deux? Il est mieux payé que moi. Quoi? Il voulait pas de moi dans l'équipe. De quoi? Toi, tu penses que je suis plus compétitif. Donc rien de tout ça n'est vrai? Il y a toujours eu des rumeurs dans les paddocks. Mais depuis qu'il est en Formule 1, les choses n'ont fait qu'empirer. Je veux la quatrième place constructeur. Je veux qu'on batte Butler. Et je veux que tu aies ce baquet. Alfa Romeo a vraiment les arguments pour inquiéter Alfa Tauri sur ce circuit. Ils arrivent maintenant au virage numéro 8. Butler Pentar, il plonge à l'intérieur. Oh, ils se sont touchés! Butler est dans le mur et c'est la fin de la course pour lui. L'Hollandais reprend la course, Nicolas Martin. Ah, je suis soulagé de voir Ackerman continuer la course, Julien. Troisième place, Aiden. Et pour Casper, on laisse Aiden passer. Laisse passer, Aiden. Fais ton mieux. On l'a fait. On l'a fait. Tu as vu le crash ou pas? Butler, ça va? Ouais, juste blessé dans son ego. Quel effet ça fait de bâtir une nouvelle écurie de F1? Ben, la première fois que tu vois ta monoplace, ta marque et ton nom dans une course officielle, à côté de Ferrari, McLaren, Mercedes, ça, c'est vraiment incroyable. C'est comme un rêve qui se réalise. Si seulement. Quand avez-vous commencé à comprendre ce qu'allait vivre Connor Sport? En 2022. En tout début de saison. On savait que nos pilotes allaient s'affronter. C'était un risque calculé. Mais la voiture... Ma voiture... a eu des problèmes. Nous voici au beau milieu du Grand Prix de Miami. Une course incroyable dans laquelle tout peut encore arriver. Absolument fantastique. Quel pilotage de haut niveau, notamment de la part d'Aiden Jackson. Je pense n'avoir jamais vu une Connor Sport rouler avec autant de rythme. Les monoplaces de Connor Sport ont encore beaucoup à prouver, mais Aiden Jackson pourrait bien être l'homme de la situation. C'est bien ce que tu fais, Aiden. Essaie de réduire l'écart avec la voiture de devant. Ok.
La charge de... La batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. Ton avance sur la voiture qui te suit. 3,7 secondes. Manœuvre illégale, repasse derrière ou on recevra une pénalité. Tu es dans les 10 premiers, continue comme ça. La voiture de derrière s'est arrêtée pour chausser des médiums. Elle roule en médium.
joli. À le voir, on croirait presque que c'est facile. Reste 5 tours de carburant. Qu'est-ce qui se passe? Bien reçu, Aiden. On va vérifier ça. Ok, j'ai bien peur que tu doives abandonner, Aiden. Je répète, abandonne. Ah, c'est une blague! Désolé, Aiden. Arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. Ça devient ridicule! C'est tellement cruel pour Aiden Jackson, qui doit abandonner à quelques tours seulement de la fin de ce Grand Prix de Miami. À chaque course, c'est la même chose. C'est un problème constant chez Connor Sport. Ça doit être difficile à vivre pour les pilotes. Abandon confirmé pour Aiden Jackson. Le pilote de Connor Sport ne verra donc pas le drapeau Adami aujourd'hui. En revanche, son coéquipier devrait y arriver. L'abandon de Jackson permet donc à Devon Butler d'occuper une place en course qui pourrait rapporter des points à Connor Sport. Aiden hors course ? Ouais, on a un problème moteur. Heureusement que je suis là. Ok, Devon, n'attaque quand même pas trop. On ne veut pas risquer de perdre une deuxième voiture. Eh, c'est dans la poche, mec. Ça va, Aiden? Ouais, où on est, Devon? Tout va bien, j'ai l'impression qu'il va pouvoir finir dans les points. Tant mieux pour lui. Il y a toujours un truc qui cloche. T'as pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Aiden, je suis à 100% d'accord avec toi. On fait tout notre possible. Je sais que la voiture n'est pas parfaite, mais... Andreo, à chaque course, c'est pareil. De quoi j'ai l'air? Je perds des points faciles. Toc, toc. Vous êtes en train de nous jouer une sacrée scène, là. J'ai raté quoi? Arrête, Devon. Aiden et moi, on parlait des problèmes de la voiture. Oh, encore? Je pensais que tout était réglé. Moi, j'ai pas eu de problème aujourd'hui. C'est cool. Vous savez ce qu'on dit? Les mauvais bricoleurs blâment toujours leurs outils. mec, tu peux jeter un œil à mes réglages quand tu veux. Je te l'ai dit, non? Ça t'aidera. Je te l'ai déjà dit. Les réglages ne sont pas en cause. La voiture... Jackson, c'était ça le problème de la saison 2022. Tout le monde le sait. À la fin de la saison 2021, tout le monde pensait qu'Aiden allait signer pour l'un des trois grands. Mais... on n'a pas trouvé d'accord et on a tous les deux signé chez Connor Sport. Et vous pensez qu'Aiden l'a mal pris? C'est pas un secret. Non, toute la saison 2022, Jackson a été un cauchemar.
Aiden, je t'appelle juste pour te prévenir. L'équipe vient de nous envoyer les dernières données de télémétrie. Bien, mais je vois pas ce qu'elles vont m'apprendre. Écoute-moi, ok ? J'aimerais que tu les analyses. Dis-moi si quelque chose te saute aux yeux. Je tiens à régler tes problèmes le plus rapidement possible. Oui. Merci, Andrew. Ne me remercie pas. Je suis là pour toi, Aiden. Pense à ce que je t'ai dit quand tu as rejoint l'écurie. Je ne te laisserai pas tomber. Ackerman m'en voudrait éternellement. C'est bien Casper, ça. Tu sais qui m'a dit la même chose ? C'est compliqué entre la voiture et Devon qui fourre toujours son nez partout. Il se passe plein de choses, c'est sûr. Mais on forme une équipe. On y arrivera. J'aurai une discussion avec Devon. Je lui dirai de te laisser de la place sur le circuit et en dehors, ok ? Ouais. Eh bien, bonne chance. Hé, hey boss. T'aurais 2 minutes ? Andreo, je regardais les derniers changements de stratégie que tu m'as envoyés. Oui ? Que ce soit bien clair. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'aurai la priorité au stand, ok ? Cela dépendra du déroulement de la course. Tu auras la priorité en cas de besoin. Mais je n'en ferai pas un principe absolu. Écoute, on sait tous que Jackson n'y met pas du sien. Si tu veux des points, je dois m'assurer qu'il ne me gênera pas.
Tu comprends? Devon, on en a déjà parlé. Laisse de la place à Eden. Le but n'est pas que vous vous gêniez l'un l'autre. Toute l'écurie doit tirer dans le même sens. Voilà! Donc, priorité au stand. Ok, ciao. Deuxième virage maintenant. Butler sort de la voie des stands au coude à coude avec Jackson. C'est chaud, Jack, et clairement, aucun n'est prêt à laisser passer l'autre. Pour bien faire, il aurait fallu que Jackson cède le passage. Il ne lui laisse aucun espace. Ils progressent, toujours roue contre roue, et ils se sont presque touchés. Ils dévalent maintenant la ligne droite et vont bientôt atteindre la chicane. La lutte est extrêmement serrée. Il s'engage maintenant dans la chicane et c'est Jackson qui sort les deux voitures et qui envoie Butler au-delà du vibreur. Quelle grossière erreur! J'ai l'impression que l'une des voitures est endommagée, Julien. C'est celle de Butler. Des dégâts, Jack, mais également quelques places de perdu. C'est vraiment incroyable. Et en plus, ça ne servait surtout à rien. Une monoplace endommagée, des places à rattraper, c'est n'importe quoi ce qu'on vient de voir. Quoi ça? Non mais à quoi ils jouent là? On verra ça au débriefing, Aiden. Essaie de revenir à ta place initiale. Lui rendre sa place, ton dépassement n'était pas réglementaire. Travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art.
Voici l'écart avec notre coéquipier. 17,3 secondes. À peu près 5 tours de carburant. Retour à la normale. À peu près 3 tours de carburant. Drapeau jaune. Il reste 2 tours de carburant.
Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. L'écart avec notre coéquipier est de 49,5 secondes. Circuit Gilles Villeneuve aujourd'hui, Jacques, le fait marquant du jour selon vous? Sans doute l'instant Connor Sport entre les deux pilotes. Les deux monoplaces avancent roue contre roue. Personne ne cède. Oui, le spectacle était au rendez-vous, mais à mon avis, il ne faut pas s'en réjouir. Oui, ça nous a plu, c'est certain. Quant à Hayden Jackson, le résultat doit lui plaire aussi. Il a bien rétabli la situation. Il s'est bien rattrapé, mais j'estime que c'est lui le fautif. De la casse pour Butler, Jackson qui s'en sort, mais le bilan reste négatif pour l'écurie. C'est vrai, Connor Sport a connu tellement de problèmes cette saison. Une monoplace qui termine la course, c'est toujours ça. Voici les trois premiers qui avancent vers le podium. Bravo à eux, car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle. Hayden, juste pour info, le débrief sera repoussé de 30 minutes. Ok, merci de m'avoir prévenu. Écoute, pendant que je te tiens, au sujet de l'incident d'aujourd'hui... Je n'y suis pour rien. Devon se croit seul sur la piste. Je n'en parlerai pas trop pendant la réunion, mais ce n'est pas acceptable dans une écurie, tu le sais. Bien sûr, mais... Non, je ne veux rien entendre. On a assez de problèmes comme ça. Quel que soit votre passif l'un envers l'autre, je veux que vous fassiez la paix. D'accord. Je n'aime pas te parler de la sorte, Hayden, et je tiendrai le même discours à Devon. Ça marche? D'accord. Rendez-vous au débrief.
Dites, vous pouvez remonter cette lampe d'une quinzaine de centimètres, ok? Excellent. Un butler soigne toujours son image. Donc, à quel moment de la saison 2022 avez-vous remarqué que l'écurie était en difficulté? Oh, juste après le GP de Hongrie. Je ne m'occupe que des finances. Mais ça m'a sauté aux yeux. Un désastre complet. Et à nouveau, Jackson et Butler de chez Connor Sports se battent sur la piste. Il semblerait que... Effectivement, mais je vous interromps, Jacques. Ok, Devon, Aiden est plus rapide que toi. Laisse-le passer, s'il te plaît. Devon, tu me reçois? Écoute-moi, il faut que tu laisses passer Aiden. Mais que fait Butler? Il semble ignorer totalement la consigne. C'est comme s'il ne l'avait même pas entendu. C'est vrai, mais comme vous pouvez le constater, il bloque complètement Jackson. Il ne lui laisse aucune chance. La rivalité interne chez Connor Sport est encore montée d'un cran ici en Hongrie. De l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. Écart avec la voiture qui te précède. 1,9 secondes.
est dans les 10 premiers. Il nous reste 5 tours de carburant. Tu viens de gagner une place. Nous avons près de 4 tours de carburant. Retard sur la voiture de devant. 1,8 secondes. Nous avons à peu près 2 tours de carburant.
dernier tour, on lâche rien. Jacques, sur qui aimeriez-vous braquer les projecteurs ? Sur plusieurs pilotes, mais je citerai d'abord Aiden Jackson. Oui, c'est vrai, Jackson a vraiment réalisé une belle course. Personne n'ignore les problèmes que traverse Connersport cette saison. Jackson s'en est bien tiré aujourd'hui, malgré cette passe d'armes avec son coéquipier. Ces deux-là n'en sont pas à leur premier accrochage qui doit remonter à pas mal d'années. Une rivalité sûrement fascinante, mais Connersport avait besoin de points aujourd'hui. Les trois pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui dans ce qui restera un Grand Prix inoubliable. Très belle course aujourd'hui, Aiden. Mais tout le monde se demande comment expliquer le comportement de Devon. Apparemment, il aurait ouvertement ignoré une consigne directe. Eh bien, il fallait s'y attendre. C'est Devon. Il a dépassé les bornes aujourd'hui, et ce serait bien qu'il se calme. Il n'est pas tout seul sur la piste, et à mon avis, l'écurie va bien le lui rappeler. Visiblement, il vous aura causé bien des problèmes aujourd'hui. Entre cet incident et ce qui s'est passé au Canada, que dites-vous à celles et ceux qui se demandent si la rivalité Jackson-Butler est de retour ? Non, c'est du passé. Nous appartenons à la même écurie. C'est l'essentiel. S'il se passe quelque chose entre Devon et moi sur la piste, c'est parce que nous faisons tout pour assurer la réussite de Connersport. Nous sommes amenés à nous marcher sur les pieds de temps en temps. Sinon, si on met de côté l'affaire Devon, comment avez-vous vécu cette course ? À votre avis, l'écurie est-elle satisfaite de votre prestation ? Aurais-je dû attaquer davantage ? Probablement. C'est un bon résultat, mais j'en ai peut-être gardé sous le pied à cause des soucis qu'on a eus avec la voiture. Je vais encore beaucoup travailler d'ici la prochaine course. C'est toujours là que le vrai travail commence. Vous avez parlé de la monoplace à l'instant. Connersport est en proie à des problèmes de fiabilité depuis le début de la saison. Ont-ils été résolus ? Je l'espère, Nathalie.
On n'a pas connu de pépins techniques aujourd'hui, mais c'est toujours délicat de donner le meilleur de soi-même au volant et d'être trahi par son véhicule. On m'a dit que l'équipe avait pris les choses en main, mais attendons de voir les prochaines courses. Merci pour votre temps. D'accord. Je m'en remets à vos compétences. Devon, tu n'as pas suivi la consigne aujourd'hui. C'est faux. Quoi ? Écoutez, je sais que tout le monde le pense, mais c'est faux. J'ai pas reçu la consigne, vérifiez la radio. Les mauvais bricoleurs blâment leurs outils. Vérifiez la radio. Ok, on check l'historique des communications. Compris ? Ça ne doit pas se reproduire. Toujours pareil. Aiden, écoute. Pourquoi faire ? C'est que tu connais Devon. Et alors ? Je dois faire avec ? Il est arrogant et... Non, tu as raison de lui en vouloir. Mais imagine qu'on le prive de certaines libertés. Il sera encore plus dur à gérer. Je suis son père, je le sais. Aiden, notre meilleur pilote, c'est toi. Et c'est normal que tu remettes Devon à sa place. Il en a besoin. L'équipe en a besoin. Merci. Entre vous et moi, je crois pas être dans la bonne équipe. Je me dis... Honnêtement, on ne te mérite pas. Et je sais que ton nom circule dans d'autres écuries. Alors continue. Ne change rien à ce que tu fais. Bien. Désolé d'avoir parlé comme ça de Devon. C'est normal. Tu sais quoi faire pour le remettre à sa place. Dites-moi. Bats-le. Tu pourrais jeter un œil là-dessus? Davidoff ? J'ai eu une discussion avec Aiden. Et ? Pas la peine de s'inquiéter. Je crois que nos problèmes sont derrière nous. Que lui avez-vous dit ? Aucune importance. Nous nous sommes dit les choses. À l'avenir, je m'occuperai d'Aiden. Et au sujet de Devon ? Au sujet de Devon ? Eh bien, la radio n'était pas en cause, si ? Andreo, écoutez. Oui, Devon prend parfois des risques, mais ne doutez jamais de son intégrité. S'il dit que la radio est en cause, vous savez quoi faire, non ? Oui. Bien. Je vais tout faire revérifier. Je préfère ça.